Cette semaine, dans Direction One, nous allons découvrir les accessoires Xbox One qui, je suis sûr, enrichiront vos expériences de jeu. Du casque stéréo à la télécommande média, vous saurez tout sur les produits Xbox One. On commence par l'accessoire à posséder urgemment, c'est bien sûr le kit Play and Charge pour Xbox One. Vous en avez assez d'user des parquets de piles ou de jouer la manette toujours branchée? Optez pour le kit Play and Charge. Avec une autonomie longue durée de 30 heures, en une seule recharge, vous n'arrêterez plus vos parties à cause de la manette. Fourni avec son câble de recharge d'une longueur de 2,80 m, le voyant vous indiquera lorsque la recharge sera complète en devenant blanc. Comptez moins de 4 heures pour cela. De plus, le niveau de la batterie est disponible sur votre Xbox One en appuyant sur le bouton Xbox. On passe désormais aux accessoires audio avec le micro-casque stéréo. Doté d'un design élégant, il possède des oreillettes rembourrées des plus confortables, offrant une très bonne insonorisation ainsi qu'une bonne tenue sur la tête. Le casque présente une qualité de son stéréo excellente, avec des basses profondes et des aigus cristallins. Quant au micro-tige, camouflé finement dans l'arceau, il permet une capture de voix claire. Avec son câble jack 3,5 mm, le casque est compatible avec tous les appareils audio. Pour l'utiliser avec votre manette Xbox One, un adaptateur est fourni ainsi qu'un câble USB. En effet, à la première utilisation, il faudra une petite mise à jour de la manette pour que le casque soit pleinement fonctionnel. Fourni avec le casque, vous pouvez aussi acheter indépendamment l'adaptateur de casque stéréo pour les manettes n'intégrant pas de prise jack. Il vous permet de brancher votre casque gamer si vous en possédez déjà un. Un adaptateur de jack 2,5 mm vers 3,5 mm est inclus à cet effet. Avec l'adaptateur, vous pouvez régler facilement le volume sonore sans avoir à retirer les mains de la manette. Coupez le micro avec le bouton central, ajustez le volume général avec ces touches. Vous pouvez aussi ajuster la balance entre le volume de la console et le volume chat. Génial, hein ? Passons maintenant à la partie TV avec le tuner TV numérique. Cet accessoire servira à tous ceux ne possédant pas de box TV pour regarder la TNT en HD sur la console. Très simple d'utilisation, branchez une antenne sur la prise et connectez le tuner sur un port USB disponible. Configurez les paramètres du tuner TV pour avoir les chaînes. Avec le décodeur, vous avez deux fonctions exclusives. Tout d'abord, vous pouvez faire une pause active sur un programme et faire une avance ou un retour rapide. En effet, la Xbox One peut enregistrer les 30 dernières minutes. La deuxième particularité, c'est la possibilité de diffuser sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur via l'application Smart Glass. Et pour aller de pair avec le décodeur, vous pouvez contrôler l'ensemble de vos divertissements avec la télécommande média Xbox One. Son aspect harmonieux et sa finition douce en silicone rend la télécommande confortable et facile à tenir. Détail utile, des piles sont camouflées dans la boîte. Grâce à ces touches rétro-éclairées, naviguez facilement dans les applications de films, le lecteur Blu-ray, les vidéos en streaming et les menus de la Xbox One pour accéder à vos programmes favoris. Mais bien sûr, les manettes ne sont pas en reste sur les accessoires à avoir absolument. Vous avez ainsi la manette camouflage pour les fans de discrétion, la Forza 6 bientôt disponible avec la nouvelle console 1 Tera aux couleurs du jeu. Le 3 nous a aussi permis d'avoir un premier aperçu de la manette Elite destinée aux pro-gamers et aux passionnés de compétition. Avec ses boutons amovibles et ses palettes, elle permettra une meilleure prise en main. Mais bien évidemment, les manettes et les casques Xbox One existent en plusieurs coloris. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. C'est fini pour le tour d'horizon des accessoires Xbox One. N'hésitez pas à les tester et à nous donner vos avis sur les réseaux sociaux. Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One? Eh bien dépêchez-vous et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Pour revoir d'anciens Direction One, c'est très simple, cliquez juste sur les vidéos présentées. On vous attend également sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite.